Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer MatchDock T156A 4K, qui est un écran tactile qui vous permettra de l'utiliser pour jouer à vos jeux vidéo, ainsi que l'utilisation sur vos ordinateurs et bien plus. On voit cela maintenant. Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne GeekTech, où je vous présente des vidéothèques. Récemment, MatchDock m'a demandé si je voulais passer en revue leurs produits qu'ils m'ont envoyés, pour que je puisse le vérifier pour vous et le présenter en détail. Cet écran est disponible sur Amazon ainsi que sur leur site officiel. Mais vous pouvez aller et découvrir tous les détails à ce sujet avec les liens qui sont dans la description ci-dessous. Alors tout d'abord, jetons un coup d'œil sur la boîte. Alors voici ce que vous voyez à première vue. Très belle boîte avec fermeture magnétique, on dirait un coffret premium, mais ça vaut vraiment le coup de l'avoir juste magnétisé. Allez, on ouvre maintenant. À l'intérieur de la boîte, voici le fameux moniteur qu'on va mettre de côté. Aussi et non seulement vous obtenez le moniteur dans cette boîte, mais vous avez un manuel d'utilisation, un câble d'alimentation de 12 volts avec adaptateur si besoin. Un câble HDMI vers HDMI, donc ce sera possible de l'utiliser pour brancher votre ordinateur pour l'afficher sur le MatchDock T156A à écran divisé. Un câble USB-C à USB-A pour être en mesure d'utiliser votre moniteur pour la partie tactile. Ainsi que quelques gadgets si besoin pour ranger les câbles et mettre l'écran sur un support. Et voilà tout ce qui vient à l'intérieur de la boîte. Afin de prendre un regard plus complet sur l'appareil, ici sur le côté droit, nous avons une entrée 12 volts où vous alimenterez votre appareil, ce qui est dommage car impossible de l'utiliser à l'extérieur. Et puis vous avez le port HDMI et mini display, ainsi que nous avons l'entrée USB type C adaptée à la plupart des périphériques USB-C. Et nous avons aussi une prise jack 3.5 que vous pourriez utiliser pour jouer de l'audio. Sur le côté gauche, quelques boutons sur lesquels vous pouvez appuyer pour changer certains des paramètres. Et puis ici, nous avons deux haut-parleurs intégrés pour écouter de l'audio avec HDMI. Sous le capot de cet écran, les caractéristiques suivantes. La fonction tactile et signaux vidéo en même temps, avec une résolution de 3840x2160 Ultra HD, autrement dit du 4K. Des panneaux IPS de haute qualité et des rétroéclairages LED. La luminosité et la couleur sont stables, ce qui permet de protéger vos yeux de multiples angles. Le moniteur est tactile, capacitif multitouche, compatible avec plusieurs systèmes OS, mais également plug and play. Avec une réponse rapide en connexion, il fonctionne bien avec des ordinateurs bureaux, mini PC, consoles de jeux telles que Xbox One, PlayStation 4, etc. Ce qui offre des performances d'écran exceptionnelles, avec un support du mode HDR fournit des détails d'images plus clairs et la reproduction des couleurs, ce qui améliore considérablement les performances des jeux et des films. Et nous voici sur le MatchDock T156A 4K. On voit bien que la qualité est assez correcte, il n'y a pas de problème. Côté réactivité, c'est assez fluide, donc on voit bien. Donc là, j'ai pas de stylet pour pouvoir utiliser la tablette, donc j'ai essayé avec celle du smartphone, donc ça passe. C'est juste pour éviter de laisser des traces sur l'écran. Mais on peut en fait également appuyer avec. Et vous remarquerez que c'est assez correct. Donc il y a assez d'activité ou de réactivité au niveau du tactile. Donc ça passe. Et au niveau du 4K, on va vérifier cela ensemble. Oups, je fais une erreur. Voilà. On va mettre le son et je modifie le son pour que ça soit sur le... J'espère que ça passera.
Voilà. Donc sachez qu'on peut également modifier les paramètres ici. Le mode auto. Le HDR 2084. Voilà. On peut modifier plusieurs paramètres avec les touches qui sont derrière. Là, je l'ai éteint. Je pense qu'il y a un emplacement pour le son, si je ne dis pas de bêtises. Ah oui, c'est ça, volume. Voilà. Donc on voit bien que c'est pas évident également d'utiliser les paramètres. Donc après on peut réduire au niveau du PC directement. Voilà. Donc voilà, au niveau de l'utilisation, c'est pas vraiment quelque chose d'exceptionnel, on va dire, mais ça reste un écran assez bien, assez fluide, et on va vérifier plus ou moins dans l'immédiat les plus et les moins de cet écran. Et nous y voilà pour la fin de la présentation de l'écran tactile, le Majdoc T156A. J'espère que c'est une présentation qui vous a plu. Je vais essayer bien évidemment de faire un peu plus ou moins des efforts pour donner toujours la meilleure qualité possible, entre parenthèses. Mais on n'a pas encore terminé. Au niveau de l'écran, il y a des avantages et des inconvénients, comme vous vous en doutez. On commence par les avantages. Donc la première chose que vous avez remarqué, c'est que c'est un écran Full HD, ou plutôt Ultra HD, pardonnez-moi. Donc c'est un écran 4K que vous pouvez utiliser pour certains équipements tels qu'une console de jeu ou par exemple des chaînes que vous n'avez pas en fait ou que vous souhaiteriez regarder en 4K si vous n'avez toutefois pas de télé Ultra HD bien évidemment. Mis à part cela, c'est un écran tactile, donc c'est possible d'utiliser plus librement que en étant avec une souris ou un clavier, donc c'est très très fluide au niveau de l'utilisation, ainsi que ce n'est pas très encombrant. Vous avez remarqué que c'est un écran à 15,6 pouces, donc ça fait la taille d'un écran de PC portable que vous pouvez utiliser et mettre par la même occasion comme écran secondaire sur votre PC de bureau. Les inconvénients, la première chose qu'il faut savoir, c'est que c'est un écran qui ne peut pas être raccordé sur un PC portable, plus ou moins ceux que j'ai essayé. Je ne sais pas si entre temps il y aura d'autres personnes qui vont l'acheter. Dites-moi plus si vous avez des ordis portables très récents, parce que à chaque fois que je raccorde, ça fait un blocage au niveau du système interne du matériel. Également, sachez que vous ne pouvez pas le raccorder à l'extérieur, ce qui est un inconvénient, surtout si vous souhaitez l'utiliser en déplacement. Contrairement à d'autres que vous pouvez en fait utiliser via un câble USB-C pour qu'il soit opérationnel et alimenté, ce dernier ce n'est pas possible. Mis à part cela, j'ai essayé avec un smartphone que j'ai raccordé via un OTG, mais malheureusement ça ne l'a pas détecté pour la transmission du smartphone sur l'écran lui-même. Donc je dirais que les équipements que j'ai testés et qui étaient opérationnels, c'est le partage avec un ordinateur en double écran, c'est le partage ou l'utilisation je dirais plus ou moins par rapport à une console de jeu et également sur une Android TV qui était opérationnelle sans aucun problème en utilisation. Voilà tout pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo va vous plaire, c'est la première vidéo je dirais de 2019, n'hésitez pas à mentionner votre avis en commentaire. Si vous avez des questions ou d'autres demandes, n'hésitez pas à les mentionner. Je vois directement avec le support de Majdoc pour vous donner plus d'informations. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien. Ciao.